Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du Rav David Cohen Scali, dont c'est aujourd'hui le jour anniversaire de la disparition. Le Rav David Cohen Scali est né en 1862 dans la ville de Debdou, au Maroc, une ville de Kohanim bien connue, des Kohanim et des Marcianos. Il était descendant de la prestigieuse famille des Cohen Scali et il est peine âgé de 13 ans quand il est l'élève de Rabbi Abraham Ben Soussan. Après, il sera l'élève notamment de Rav Shlomo Cohen Seban. En 1896, il est appelé par la communauté de Tlemcen pour enseigner la Torah et de diriger avec le Rav Chaim Blia. En 1900, il est appelé par la communauté de Oran pour enseigner la yeshiva de Zot Lihuda, où il sera chez Rav Yehuda Hassan. Il va étudier notamment avec Rabbi Yosef Ben Walid. En 1913, il sera nommé Dayan de la ville et plus tard grand rabbin de la ville de Oran. Il s'occupait de Halakha, mais aussi de Kabbalah, des enseignements du Zohar, du Arizal. Et le Rav Yosef Messas l'appelait le roi David à Cohen. Il voyait d'un bon œil la montée des Juifs en Israël. Et en 1949, il a rassemblé, comme aujourd'hui, 24 hier, il a rassemblé toute sa communauté et sa famille. Il s'est vêtu lui-même des linceuls et il a fait un discours de séparation, on pourrait dire, et il est décédé à l'âge de 87 ans. Il est l'auteur notamment d'un ouvrage de Halakha qui s'appelle Kiryat Hana David, qui a été édité en 1935 et réédité en 1988. Il a écrit aussi d'autres livres. Parmi ses élèves, on trouve le Rav Shlomo Hakohen Zaguri et le Rav David Khalifa, Ibn Khalifa, qui était rabbin à Saïda et à Massy, dans la région parisienne. C'était donc pour rappeler la mémoire du Rav David Cohen Scali, une grande figure du judaïsme d'Afrique du Nord. Excellente journée. Shabbahi Yerushalayim et Adonai Halleli Eloheich Zion Yihizak Berichesh Alayim Yihizak Berichesh Banaich bekirmech, banaich bekirmech, Halleli, Halleli, Elohaich Zion, Halleli, Halleli, Elohaich Zion. Banaich bekirmech, banaich bekirmech, banaich bekirmech.